l'Amérique attend que chacun fasse son devoir et monter dans vos véhicules, qui sont quelque part, ici. Ah, messieurs, mettez vos bouchons d'oreille. Ouais. Iso. Du coup, pour plus entendre Mug, c'est ça? Vous pouvez partir dès maintenant, Isokinobabs, hein, une fois que vous êtes prêts. J'ai bien pris. Vous passerez les communications importantes. Il me semble que j'ai une 148, mais il faut que non, je... on est sur Casal 2, on passe le 6 au Gables. 3, 6. Affirmatif. Très important, okay. Faut pas que le suspect remarque votre présence, donc restez prudent. Test radio. J'ai deux casques. Test radio. Allô, ouais, test radio canal M. Ok, tu veux que... Je t'en bon, nous on va prendre les véhicules en intérieur, donc si vous voulez bien les rejoindre et vous organiser par groupe de 3, je crois, on est combien dans les CP Squad? Goya, test radio, canal 2. Mug, excuse-moi, c'est quel canal? On est sur le canal. C'est bon, Goya. Ok, merci. Je vous ai pas entendu, bizarre. Mug. Moi j'ai rien entendu non plus. Nos véhicules, c'est ceux à l'extérieur. C'est parce qu'ils doivent le faire sur Warzone ou test radio. Ah, ça y est. Non, non, on a aussi deux SUV à l'intérieur. Vérifiez. Bon. Non, on est pas mal ce soir, c'est nickel. Oh, belle les gars, attends qu'on n'est pas en opération actif et sur le terrain, mettez vos armes en sécurité s'il vous plaît. Donc, on va faire tout le monde a des cagoules là, sauf moi, c'est ça? Si. Donc, mec, c'est juste j'ai regardé que toi, la tu différence entre ceux de l'intérieur profil, et ceux de l'extérieur. Ouais. Ah, d'accord. Non. En gros, les charges elles sont dans ceux de l'extérieur. D'accord. Ah, c'est génial. C'est quoi? C'est une flashbang, c'est ça? Oui. On en a combien des flashbangs? Parce que du coup, si on en a pas mal, faut pas hésiter à en balancer. Deux chacun. Ouais, ça, il y aura moyen que vous en balanciez pas mal. On va faire des trinômes. Il y a des volontaires pour faire les chefs de trinômes. On se met pas plus loin, Fuckbot, j'entends tout le monde. Ouais, pareil. Allez, venez sur les SUV. Branac. C'est pas les nôtres, là, je crois. M'entends-tu? Ah, c'est pas les nôtres? Je suis pas sûr. Oui, c'est beau la neige. Génial, putain. Tu veux qu'on fasse des binômes, football? On va faire des trinômes. Ouais, c'est dans ceux-là qu'il y a les charges. Donc, vous êtes tous rifleman, il n'y a pas de spécialiste à part le médic, on est d'accord. Ouais, voilà. Hein. Doudou. Ouais, voilà. Ok. Bon, bah, je vais faire à Doudou. Parfait, le Doudou à coup. Ouais. Vous serez vert. Et Goya, Veldrin, moi-même, on sera rouge. Pour l'équipe vert, on laissera évidemment l'équipe vert avec le médic en arrière. Toujours faire attention à son médic. Il est plus que prioritaire sur cette mission. Doudou, absolument, ne doit vraiment, vraiment pas mourir. Donc. Qui a passé je vous demanderai vers faire attention de à votre pilote US Marshall. Et sûr qu'on va prendre ces caisses là. Il y en a d'autres à l'intérieur. Ouais, non, après on le reste on verra avec le chef. Celle-là qui ont notre. Parce que. Donc là, juste une question, l'indicatif de notre team c'est quoi? On en a pas encore. J'allais voir avec le chef. Restez là. T'as mon appui. C'est pas très important de toute façon. On pourra en changer quand on sera. Ouais, c'est vrai. Sauf si tu le perds. C'est qui le médic? C'est toi, Sparfel? C'est moi. Mag? Ah, c'est non, toi. Non, c'est moi. Ah, il faudra des indicatifs pour nous. C'est ça, groupe. J'ai le fusil à pompe. Oui, oui, non, mais. Ouais, non, ouais, ce ouais. Que je disais, c'est, tout avec tes hommes, ou c'est plus pratique marrant, pour les suppos, c'est ça? Exactement. Un truc marrant. Qui aime bien conduire. Parce que vous avez envie, si Warzone, vous voulez. Warzone, Dranac qui aime bien conduire. Comme je pensais à un truc qui n'a rien à voir avec la mission. Mais celui qui a envie, il va au volant, sinon. Dranac, tu veux ou pas? Je trouve ça, je te quand t'as battu, ouais, quand t'as battu ton ennemi l'autre jour par derrière, là, Doudou. L'important, c'est juste que ce soit dispo pour quand on commencera vraiment. Oui, bien. En fait, t'aurais dû le menotter, ça aurait été encore plus ridicule. Alors, l'ennemi par derrière. Lors de l'extraction. Dans la jungle. Il était pas un jungle. Mais si, okay, sur derrière. Et notre objectif donc c'est bien Mark. Moi je m'en souviens plus. Juste après avoir écoute, je m'en souviens plus. C'est pas grave. C'est ça ouais. Donc on vous suit. D'accord. Attends, ouais. Non, aucun souvenir. On en parlera après. Allez messieurs. Ouais, pas de vert rouge, on file dans les hangars, on va prendre les véhicules qui sont dans les hangars pour nous. OK, bien pris. Ça marche. On peut se faire écraser. Attention, attention, véhicule. Et
vert, vous prenez celui de gauche, on prend celui de droit. Ok. Celui de droit. Tu veux piloter à coup ? Non, rouge, rouge, vas-y. Je t'en prie, c'est parfait. L'autre. Pour celui-là, là, peu de bois. Ouais, ouais. Par contre, la porte est fermée, ça va être un peu amardant, là. Cool. Classe, les SUV. Donc tu me disais la mission sur derrière Non, mais on en parlera tout à l'heure après la mission. C'est cool pour quelque chose d'un peu moins orienté militaire, je trouve que il y a une bonne mise en ambiance que je dans le briefing. Ah ouais, non, il s'est à la tête, c'est bien. Mais putain, c'est toi vitré quoi, c'est grande classe quoi. Ah, c'est ça. Avec la neige qui tombe. Ah, c'est classe, ouais. C'est classe. Et en fait, c'est parfait, félicitations pour ta récente promotion. Ma récente promotion. Ah ouais. T'es passé adjudant-chef. Ah oui, merci. Ouais, adjudant-chef pilote. C'est cool de savoir qu'on n'aura pas à se battre pour savoir qui lidera le trinôme. Wink wink. Ouais, Doudou, tu vois, Doudou, c'est un pro du lead, vas-y. Ouais, mais Doudou, il est en pleine mise à l'épreuve par la hiérarchie là. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pas moi. On le sait très bien ce que t'as fait. Un blâme. J'espère qu'on va se dépêcher parce que moi à 4h je dois y aller, hein. J'ai ma fille que je dois chercher à l'école. Ouais, ça sera fini vite fait. 4h moins 5, moi je suis parti. Hein. Oui, je peux dire que je peux tourner à gauche quand il tourne à droite, on fait semblant, puis on retourne à la poste. C'est perdu. On est hors carte, on s'est perdu. PS. À l'arrière, on se fout là sur le côté, je sors le radar. Hein. Et la bouteille de pastis. Je sais pas si on boit beaucoup de pastis sur Sursk. Oh, plutôt de. Dutch. Un peu plus fort. C'est près de l'Alaska, donc whisky. Mais en même temps, c'est une ancienne terre russe, donc vodka. Ou jus de caribou. Jus de caribou. Les testicules de caribou macérés. C'est génial, en plus, on a l'impression, les traces de voiture sur la route, que c'est un petit peu comme s'il y avait un petit manteau de neige sur la route, tu sais, ça fait un peu ce genre de traces. Ouais.
plus nous qui avons l'air de mafieux qu'autre chose là dans nos SUV. Les flics. Putain, il faudrait des fourgonnettes noires, ce serait classe ça, putain. T'imagines des fourgonnettes et tout quoi? Tu débarques en fourgonnette. Le truc ouais, de fou. Marrant. On rappelle les petits, te rappelles les petits véhicules, tu sais, britanniques qu'il y avait sur Lingor là, l'Arma 2. Ah, avec la sirène de malade là. Non, c'était des petits 4x4, des petits tout-terrains là, avec à l'arrière des. Bon, ça ressemblait à une fourgonnette. Hein. Ah, en gros, c'est des sortes ah, de oui. fourgonnettes tout-terrain. Je m'en rappelais plus bien. Non, ils étaient excellents ces véhicules, ils passaient partout en plus. Les rouges là? Il y avait plusieurs couleurs. Ah, ok, ouais, je crois que je vois quoi. Ah, on est sur l'aéroport là. On va faire comme les flics dans les films avec les cascades de bagnoles. Le but c'était de faire un frein à main en fait. Là où t'as toutes les bagnoles de flics qui se rentrent dedans. Ouais, c'est des ça, explosions avec partout. Avec les vieilles caisses là, les films ouais. des années 80. À gauche, y a pas de... C'est l'heure du pique-nique. On est fonctionnaire, c'est l'heure de la pause. On sort notre jus de caribou. Il fait froid, on reste à l'intérieur? Ah non, il a décidé que non, Doudou. Ils sont viandés en quad. Ça commence bien cette mission. Oh chef, c'est l'heure de la pause. Ah ouais, là, oui. T'as pas de bassin, cette histoire là. Ah, c'est ça, là, les flics locaux. Ouais, restez à côté de vos véhicules respectifs, les gars. Ok, chef. C'est pour ça qu'on envoie les fédéraux. Nous ont mis dans une embuscade. Alors, on a fait quand cette pause. Eh ben ça fera plus de pastis pour nous. De toute façon, tous les flics ils ont tout le temps cet accent, donc c'est crédible. Hein, j'ai pas trouvé le McDonald's. Le flic, il a toujours l'accent du sud. Macalaska. Oh, sans relais de le mettre. Je m'appelle Marcel Patulacci. Et je suis agent de la paix avant tout. Gardienne de la paix. Gardienne de la paix. Comme si c'était toi. Hein. La tâche qui nous incombe, enfin qui nous décombe et surtout qui nous incombe. Même si la moitié des missions dans SWAT 4, c'est pas donné au Marshall, mais bon. Reconnaissance. Même la totalité d'ailleurs. Ah, t'arrives pas à choper Rocco ? Nous non, faisons quoi, partie de la police d'élite. C'est à moins d'une borne là. Enfin, là, que là il est 17h, j'arrête de travailler moi. Je vais me plaindre au syndicat. Oh, tu as fait marchés, des heures sup, moi ah 55 ouais, que j'avais déjà arrêté. On va se plaindre au syndicat. Oula là, là. Les terribles lutteurs chinois là. Ça va être un peu long mais bon. On va s'y accommoder. Les flics locaux ils vont essayer de choper la canne, hein. Faut avoir à faire gaffe. Eh, en plus, Fuckboy il a déjà l'accent. Il a même pas besoin de se forcer. Merde, j'arrive pas à régler la distance, c'était plus simple sur Arma 2. Distance de quoi? La portée de la radio. Normalement, on peut pas, t'es au max. Je suis au max. Parce que ça servait un peu à rien en fait. Les terribles lutteurs chinois dans la neige de Yankee. Réglé, mais t'es juste. Maintenant, c'est au max par défaut, ouais. Ça va plus, c'est moins chiant. Je crois qu'on nous appelle chef. Non, non. Il y a eu du piratage, du sabotage de call sign. Tu me reçois, Yankee? Je vous reçois, les terribles lutteurs chinois de la neige. Oh putain, mais ça c'est vraiment casse-couille. Non, je crois que Yankee ne reçoit pas. Le call sign de merde. Du coup, reconnaissance? Fuckboy, il reste ça tout le long de la mission. Ils ont acheté déjà les flics qui... Les durables lutteurs chinois de la neige. Je
enfin, quelqu'un qui pourra allumer un feu, on se pèle un peu là quand même. Chef, je pense que c'était une boutade d'un de vos soldats. Hein. Je vois ça bien, 100% sécurité. Testicules de canidés de prairie. À vrai dire, j'étais juste derrière le véhicule là-bas. Froggy, tu parles ce qu'il dit là ou pas? Tu parles ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'entends ce que je pense ou quoi? Oh putain. Oh. Tu respires ce que tu bouges ou... Tu sens ce que tu vois. Je crois qu'il va falloir appeler les FBI en renfort parce que la police c'est plus trop ça. Là c'est le niveau CIA hein, tellement c'est bon. C'est la langue locale ici ou quoi? Ouais c'est le froid ça leur fait ça. Bon alors ce qui va se passer c'est que j'ai monté sur la tronche parce que là on a des problèmes d'ordre radio. Ouais, radio. Ah putain, il va se viander. Hein. Ce serait ballot que je reprenne le commandement. Oh mon dieu. Est-ce que vous avez un suppléant, Walker? J'espère qu'il est, il a fait le sport hein, ce d'accord. Matin. Parce que... Oui, pas de bien regarder avec ta radio. Hein. Filmer, filmer. Pas trop de verglas sur l'échelle? Allez-y, chef, vous êtes presque à la moitié. Sweep! Je crois que j'ai une disqueuse dans le coffre, on pourrait peut-être attaquer. Quelqu'un qui a des jumelles, on peut faire genre, on fait des contrôles radar. Putain. Ah ouais. Là, c'est au mine de rien. En vrai. Monsieur le shérif, je crois qu'il en a. Ah bonjour. Il est lent quand même, hein. Shérif, fais-moi peur. Ah bah, c'est un, voilà, c'est un vieux Marshall, hein. C'est le vieux Marshall grisonnant avec son. Est-ce qu'il lui, en a il a. Le plus drôle, c'est la dame. Il a son salaire en donuts, lui. Ah, j'ai fait un screen, vous êtes tous en train de le regarder. Allez-y, chef, on vous regarde. C'est de l'admiration. Oh, putain, il y a le sapin dans la bagnole. Quoi. Ah oui, c'est pour le faire rappeler Carglass, là, monsieur. Pour Noël, là. Oh, ça va être du beau screen, ça. Et on avait dit pas fumer dans la voiture. Ouais, mais... Moi aussi, j'ai fait un ou deux screens parce que j'ai oublié d'enlever l'interface Steam. Il a fendu le pied direct dedans la véhicule. Ça passe en garage. En fait, c'est lesquels les véhicules? Qu'est-ce que t'écris, Doudou? J'ai voulu, mais en fait, je me suis planté de sens. T'as pas fait l'ange non plus. Ouais. Les autres, les pauvres autres, ils... Qu'est-ce qui vous arrive, là, les mecs? Je pense que nous, on a des trucs comme ça, quoi. Peut-être ils se roulent dans la neige quoi. Mais ça dure pas assez longtemps en fait pour faire des trucs écrits quoi. T'as intérêt à rigoler hein. Vous faites des anges. Alors de quoi? Oh, il penche le saucisson, il a eu un AVC. Ah, j'ai un petit peu mal au dos. C'est une putain de scoliose. Ouais. T'étais comme ça, regarde. Ah, c'est bon, il a réussi à attraper l'échelle pour redescendre. Ouais, non, ça dure pas assez longtemps, tu peux pas. Ah, maintenant faut pas qu'il glisse. C'est quoi cette histoire de Corse? Alors, il y a. Véhicule. Alors, le passager est en train de fumer, et puis à un moment donné, au bout d'un moment, il regarde le conducteur et il dit: hey, Alphonse, prends-toi une bosse pour faire tomber la cendre. Oui, Gaëtan qui fait un show. C'est ça, mec. C'est un mec du sud-ouest, hein. faut le faire en plusieurs fois. Alphonse. Alors c'est son nom hein, ça Alphonse. C'est... En fait il s'appelle Boss. Je crois que c'est l'accent qu'il a pas compris. C'est l'accent qu'il a troublé en fait. Il est bloqué là. Attends le cerveau compliqué. Attends il réfléchit là. Il se roule par terre et tout. Il se rafraîchit le corps parce que son cerveau chauffe trop là. Voilà, c'est bon. Donc du coup, sur ces entrefaits, j'ai une mauvaise nouvelle. Je viens d'appeler nos adjudants marchaux de reconnaissance sur un téléphone portable et ça répond pas. Ah, parce que t'as du réseau, hein, t'as du réseau. Bah, disons que je sais pas si c'est le réseau qui est pourri ou quoi, mais on a vraiment aucun moyen de les contacter et j'imagine le pire. Parce que bon, voilà, hein, c'est Isokino qui pilotait, comme vous le savez, il était porté sur la drogue.
D'accord. Donc, j'ai appelé la pistolet locale les marchands. Pour qu'il lance une ambulance, mais bon, pour l'instant, on a grosso modo pas de reconnaissance et aucun contact avec eux. Donc on va partir du principe que... On va les retrouver au dégel, quoi. Voilà, ouais. On allait sur le point West Snipe. Faut dire qu'avec toute cette neige, il a dû se dire je vais pouvoir m'enfiler un rail sans vu ni connu. On va aller sur le point Westless Snipe et on va enquêter. Bah oui, on va enquêter sur la disparition de nos collègues. Ouais, une nouvelle enquête. Si jamais. Enquête résolue. Du coup, quand on arrivera sur place, ce sera Yankee qui a une meilleure connaissance du terrain qui s'occupera de fouiller la zone. Et nous, on montera tranquillement vers Robert Downey pour aller voir s'ils sont pas allés se faire un café là-dessus, je ne sais pas quoi. Donc tout le monde regrimpe, on repart dès que c'est prêt. Ok. Bon, la note, c'est celle qui s'en sort pas. Ah merde. Ouf. Heureusement que t'as fait ça en même temps que moi parce que j'allais prendre ta place. Et j'avais pas envie. Moi, je pensais qu'on allait tenir la buvette, moi. Dommage. Mais la buvette de l'aéroport, en plus, elle doit être ouverte à cette heure-là. C'est clair. 10h05. À mon avis, ils ont roulé en quad sur une caillasse. Et ils sont tous les deux inconscients sur leur quad. Comme des crocs. Ce serait drôle. Ce serait tellement drôle. Ah, attends, y'a des dodanes et tout. Sérieux, y'a des dodanes sur la route? Bah ouais, on avait l'impression, ouais. Non, y'en a pas. Ah bon, ok. Ah non, c'est C'est la physique. C'est ma conduite qui est un peu étrange. Ah. Je vais péter les suspensions hydrauliques. Oula, 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 oh nom de Dieu. Allez mec, ils ont pas resté du café à... Il y avait dans le café, mais... C'est de l'Irish Coffee, quoi. Mm. Ok Yankee, on va se garer sur la droite à Maria. Wow putain, c'est quoi ce délire? Oula, il y a eu des chutes. Ouais, tiens. Médic! Ennemi, au fond, ennemi, au bout là-bas! Au fond là-bas! Oh bah, ça commence bien. C'est pas allié. Oula. Oh là 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 là. Oula. Oh la bonne idée. Yankee, tu vérifies notre mort? Contact au fond, au fond, au fond. Ah oui, c'est une embuscade. Ah ouais, c'est une drôle d'embuscade. Au début, j'ai cru que c'était nos gars, moi. Satch ? Oui. Soigne-moi. J'ai été grandement touché. Gravement touché dans tes... Dans ton attribut. Ah bah, on a retrouvé leur quad. Et tes attributs, donc. Quelle partie de tes attributs ? Walker, de Yankee, tu te places en position offensive vers le nord. Il fait moitié de degrés. Je t'entends l'audio. Allez tous vers le nord, les gars. Rouge en pointe et vert sur l'est. Un homme à terre, un homme mort, on s'est pris des tirs depuis le 300. Rouge là, faut bouger là. Bon, à terre. Warden est mort. Oh, dis-moi putain. Si c'est mieux, mec. Je ne sais pas. Oh, putain. Allez, rouge, vous couvrez le nord, vert, vous couvrez derrière nous. Au cas où quelque chose fait encore un diamant. Ça flash au lien. On va jumper sur le prochain caillou, rouge. Ah non, on va regarder ça. Vert, vous vous dépassez, pareil, vous jumpez sur votre prochain caillou. On se déploie. C'est pas bon. Yo, on bouge, Vert. Ok. Froggy, t'avances avec le binôme de Sèche. T'avances jusqu'à la palissade. Vous êtes nord-ouest. Nord-nord-ouest. Ça marche. Et Vert, nous pousse derrière. Nous, on est sur le nord-est. Je pense qu'il veut qu'on dépasse. Non ? Non. Non, non, non. Pas peur de bien.
Oh, ils se font défoncer, il y en a encore un qui est mort. Ah, tu parles des Marshall. Hein. J'étais persuadé que c'était nos portes, quoi, dans ma tête. Putain, mais ouais, mais pareil. Oh la vache. C'est la flash. Ah, du monde, ouais. Il y a du monde dans le hangar. En tout cas, c'est beau. En tout cas, c'est beau. Ils ressemblent à quoi les ennemis alors du coup? Ouais, je les ai vus que de loin. Ils sont gris. Bon, pour l'instant on bouge pas les gars. On marche. Wow. Oh, j'ai vu le deuxième pack à gauche, j'ai vu le deuxième pack sur la route. C'est quoi qui pète comme ça quoi? Il va y avoir du monde dedans. Ah mais c'est quoi comme calibre, ça pète comme ça, ça... Il y en a qui me diffusent la pompe, je crois. D'accord. Pas de bruit de mon 4. Niveau catastrophe. Hey Yankee, on reste dedans, concentré les gars. Il n'y a personne qui regarde le nord, vous rigolez quoi? Si, moi je tenais à chaque fois, mais si vous pouvez abri, il faudrait que tu regardes le nord. Moi j'y suis. Oh putain, oh. Ah j'ai devant. Eh, il y a un mec qui est tombé devant là. Là il le voit pas cet abruti. Ouais, contact. Contact, filant, droite gauche. Désolé pour l'expression, mais c'est pas très sympa. Je me suis dit sur le coup. Là, mais il était en face de moi. Je me suis dit, je vais m'en prendre une s'il lui tire pas dessus, quoi. Il était dans mon axe. C'est le stress, c'est le stress. Walker de Yankee, on a éliminé un contact qui se dirigeait vers vous. Radimir, il arrivait du 200. On est resté là les gars. Je crois que c'était vraiment ennemi ce que j'ai tué, mais... Que vous avez tiré là-bas au 220. Vous avez bien identifié avant? C'était contre la maison verte, tu vois au loin là. Je pense que c'était ennemi. D'accord. Et alors, j'ai un doute. On va faire gaffe au niveau de la rambarde, il y a tous nos alliés au niveau de la rambarde en 200. Ouais, bah demande s'ils sont sur le bâtiment qui est sud de route. J'ai tiré un mec là-bas. Hein. Ouais, je vais leur demander. Restez en position. J'arrive plus à choper. Attends, fais gaffe, recule parce que j'ai vu quelqu'un encore entre le gros sapin et le bâtiment au milieu. En fait, on serait plus en sécurité de l'autre côté du rocher, j'ai l'impression. De quoi? Je dis limite, on serait plus en sécurité de l'autre côté du rocher. C'est pour ça que j'ai tiré. Putain. Sérieux? Oh les Marshall quoi. Oh les débutants. Est-ce qu'ils sortent de l'école de police ou quoi? T'es passé, ils sont tous morts ou quoi? Ah si ils sont morts, ça veut dire qu'ils vont... On va se les taper les mecs. J'aime bien le petit relief au sud-est là-bas. C'est chouette là, ça fait un petit creux. Ils sont loin. 290. À peu près 200 mètres. Je les vois pas. Putain, le mec qui revient tout seul. Là je les vois plus, ils sont cachés derrière les arbres. Ok à tous, canot 2, on passe sur canot 2 et on va communiquer sur ce canot. Canal. Il est sur le 2. Il y en a peut-être déjà sur le 2. Ils sont encore en vie mais j'ai pas eu le temps de les checker comme ça. Ils étaient en train de tomber tous l'un par un. Qu'est-ce qu'il y a eu comme contact? Des mecs avec des petites mitraillettes et des fusils à pompe. D'accord. Bon, on va se déployer. Comme par hasard, c'est Sedge qui a survécu. Tu restes avec nous. Il les a battus. On va investir par un traître. Par le nord, les bâtiments. Et je vais mettre vert en couverture sur le sud des bâtiments. Ok, attendez, on va passer à la zone. Je reste avec l'équipe derrière. Moi. Bah, il te reste des greux ou il te reste quelque chose? Ouais, j'ai mes deux grenades flash. Deux grenades flash, ok. En fait, on investira. Eh, les effectifs ont fondu comme neige. Tu restes avec rouge, tu es rouge voilà.
Rouge, ok. Et rouge, c'est qui? L'assaut, c'est nous. Ok. Les gars, on va passer à l'assaut. Il y a tous nos potes qui sont tombés là-bas. On va voir s'il reste des survivants. Ok. Vert, on prend la gauche, nous. Voilà, vous allez au sud. Mur du sud. Là où t'as commencé à allumer. Et nous, on va prendre l'autre mur. Et on va investir petit à petit en tenaille. On va investir les bâtiments. Si jamais ça chauffe trop, on se replie sur les véhicules et on avisera. On check les blessés. Ok. Allez. Personne n'est blessé. On a que Setch qui est vivant et qui est tout seul. On va voir si on peut récupérer quelques-uns de nos gars. Le médic, tu traiteras les cibles prioritaires. Hein, ouais, pas de soucis. Si jamais t'en trouves. Allez, c'est parti. Non, c'est ce qu'il faut. Allez, go, Marshall, à l'assaut. En avant. On passe par la petite colline au nord ou on reste tout droit? Non, 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 on se met sur le mur là. On se met sur le mur. Go, plein ouest. Prends la gauche du mur, à coup tu fais l'angle. Tout ennemi qui ne porte pas Ouais, place. Qu'est-ce que tu veux dire là? Bah, faire juste tu penches l'angle quoi. Ok. Tu prends mon avant quoi? Ah ouais, vas-y. Attends, je vais ouvrir un peu plus large. Et allez! RAS là. Bah, ils sont bien morts, celui-là il est mort. Il est mort. Ils sont au sol. Sparfel de fuckball. Inverse, fuckball de Sparfel. C'est beau, je t'écoute. C'est affreux. Je suis sur mon angle, est-ce que j'investis moi aussi? Avec le trinôme vert. On va passer à l'attaque dans 5 secondes. On va passer côté route. Oh, ça tient. Ça vient de la colline là. Ok, on investit. Vers, à coup, on rentre. D'où suis? Vers la besoin d'aide, contact nord. Abritez-vous avec les conteneurs, c'est solide. Recule. D'où? Ouais, c'est bon, je suis là, je suis là. Okay. À coup, reste, c'est contact nord, hein. Donc tu te couvres. Ah ouais, putain, merde, ok. Smoker la position nord, vite, vite. Ok, je le vois. Tout à couvert au sud. Gaffe à coup de pas trop t'exposer nord. Ouais. T'as couvert au sud, on a un blessé. Vert, on est rentré juste derrière le mur, on a abattu un contact au nord. Ok, essayez de nous couvrir, on revient vers vous. Allez-y les gars. Ah, je viens me soigner. Elle dit que tu traites le blessé. Faut pas que je tombe dans les pommes. Viens, viens, viens. Allez, investissez cette position, on fortifie. On traite les blessés. Fais un diagnostic. Jambe gauche grave, torse léger, je m'occupe du torse. Ok, je te fais jambe gauche. Attends, traite les blessés, je préfère traiter les blessés là maintenant dans l'immédiat. Juste attendre un petit peu. T'es médic aussi? Ouais, je suis le médecin. Oh, chaud, chaud. Ça vient d'un bien du nord, c'est confirmé, rouge. T'as encore besoin d'un jambe gauche? Affirmatif. Il est où ton contact? Azimut 20. 20, ça décale à gauche. Ouais, tirez. C'est bon. On confirme, t'es ok? Ouais, merci. Je tire au pif. Hein. Yeah. Il y a des smokes, personne n'a des smokes. Pas de smoke. Pas de grenade. Vous exposez pas les gars. Tout le monde est traité, c'est bon? Ouais, c'est bon. Faudrait me relever Mug s'il est pas mort. Il est à l'arrière. Sur la palissade. Devant moi, là. Sur la palissade. T'es en train de diag. Je diag. Ok, il y a du contact nord. Il est mort, laisse tomber, Mug, c'est mort. Il y a du contact nord, il va falloir bouger. Attention, il y a des mecs dans le hangar, À l'ouest? Sur celui sur lequel on est. Reculez, reculez, vous exposez pas, putain. On va passer à l'assaut, mais pas par là. C'est trop exposé là. Ben... On va utiliser les bâtiments comme couverts qui sont en 300 là. Donc on va rentrer, rouge, on passe en premier. À côté, vers, c'est mort, à côté de toi là, à coup. T'es bien pris. Ouais, allez, vert, vous suivez. J'ai pas regardé, mais ça doit être mort. Oui, c'est bon, fuck ball, allez. Go. Rouge, fuck. Allez, c'est parti, on passe entre là. Passez en full auto, n'hésitez pas. Vas-y, vas-y. Il y a un full auto sur les pompes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Vas-y, accouche. Prends l'arrière. On clear ce bâtiment là. On avance. Et on va attendre. Oh merde, ils sont tous morts. C'est pas vrai.
Oh putain. Pas de panique, pas de panique. Pas de panique, abaisse-toi. Non, il en reste un, ça tire. Il y a des mecs en blanc qui sont sortis. Accroupis-toi, Sparfel. Ouais, ça tire encore, c'est pas tous morts. Rouge sur moi, vous m'avez abandonné. Rouge et Emile est mort au combat. Allez, je vais le chercher. T'es sérieux? Je croyais que t'étais mort. Non, je suis pas mort, moi je suis passé moi. Je me suis pas arrêté dès que je me suis fait tirer dessus. Par contre, je suis blessé. Bon, les gars, tenez bien vos secteurs, tenez bien vos secteurs. À coup, tu check la colline là-bas, il y avait des mecs. Ouais, je suis sur le nord là. Où t'es blessé? Je sais pas, j'ai pas regardé, mais je suis blessé, c'est tout. Je recharge. Il me reste 3 chargeurs. Les gars, tu il va falloir relever. Mal, sérieux. Je sais pas, je dirais que je pisse un peu du nez. Madrid et Goyaka sont la bouche ouverte là, je crois qu'ils sont morts. Pas mort. C'est bon, Toubib, c'est pas trop grave. Ça devrait aller. Le gilet a pris et au niveau. Je sais pas ce que je vous en pensais les gars, mais nos effectifs sont largement réduits. Si les morts qui sont, enfin si les gars de notre gauche sont vraiment morts, j'envisage. On peut se replier très vite. Hein. De bouger d'ici ou vraiment de passer aux objectifs prioritaires. En fait. Si on veut faire quelque chose, c'est pas ici qu'on va faire quelque chose avec le peu de gars qui nous reste. On est 5. Pas 6. Juste voir si nos gars là sont bien morts et j'aviserai. Ouais, c'est bien pour couvrir le nord, hein, toujours, hein, faites gaffe oui, au nord. Oui, t'inquiète pas. On connaît notre boulot. Ok, pas de soucis. Putain, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est l'apocalypse. C'est en face, contact. Merde, je l'ai pas eu. C'est bon, c'est bon. Si, il y en a un autre, mitrailleur. Bon, c'était belle. Il y en a un autre derrière le container. J'ai vu son arme dépasser. Balance ta truc en vrai. Balancer de là-bas jusqu'à là-bas. Ah non, tu les as plus. On a pas de grenade. Non, je les ai plus. Attends. Balance une seringue. Chiant, balance une seringue, jette un caillou. Contact 20. Eh bon, il est traité. Ah, c'est pas le moment de rester. Il y en avait un là, autre là. On est en train de se faire encercler là. Faites gaffe. C'est bon, le médic pour moi parce que je vois encore un peu bizarre. Ça arrive bien au nord. Oui, normalement t'es traité, ouais. Ok, je vais juste aller voir mes gars. Je suis en train de couvrir le nord, mais je peux pas te soigner là. Ok, je passe ta devant ta ligne de feu, c'est parfait. J'arrive, en face de toi. Attends, je veux juste aller prendre ce gars là. Viens de couvrir. Il y aura Goya. Bon, laisse tomber, on va repack sur les véhicules, on va. Ah, ok, Goya mort. Eldrid. Je check. Je veux pas abandonner des gars qui soient dans le coma ici là, si on s'en va. Ok, Veldrid mort. Y'a un de nos gars là-bas ou c'est. Ouais, c'est un de nos gars, je crois. Tiens, je vais aller voir. Si jamais ça chauffe, je reviens. Doudou, va au niveau de sèche parce que si un mec qui débarque de la route, il l'aura. Et où c'est là? Si y'a un mec qui débarque de la route, mais garde le même angle que t'avais, hein. Ouais. Bah, Toubib, ça va pas trop, hein, j'ai les yeux qui clignotent, mais bon, on revient sur nos véhicules, les gars, on va bouger. Je vous mettrai va... une morphine quand ouais, on ouais, non, on revient sur les véhicules, on va reprendre le point. Et à l'ouest de Wesley Snipes, contact on va nord. Passer par, contact nord par le. J'ai pas. On revient sur les véhicules, maintenant, allez, go. Parfait, non. Ah oui, ça arrive dans la forêt. Vas-y, décroche, parfait, décroche. Vas-y, je allez, passe. C'est parti, quelqu'un avec moi. Je te suis. Et à coup. Attention la route. Alors, on reprend nos véhicules, on se casse ici. Pas sûr qu'on est tombé, mais c'est Annie. Allez. Vas-y, je couvre le nord. Sur les véhicules. C'est parti, go. Allez à tous, on rendait les véhicules, on repart de là où on vient. Quel véhicule tu veux qu'on monte? On les laisse tous?
Les deux derniers. Ok, allez, je conduis, perds pas de temps. Allez, Cassos. Confirmé quand vous êtes tous dedans. C'est bon, ok. C'est bon. Vert, c'est bon. Bah, vert, je sais pas si passe parfait là. Ouais, c'est bon, on est 6 là. Ouais. Putain, la merde. Pas grave. Mais bon, ça arrive. Oh la vache. Ah. Il roule bien à droite là. Combien les mecs? Ils étaient pas tellement que ça. Ok, on revient sur Tommy Jones. On rentre un peu de bruit. Ils étaient pas tellement que ça. C'est surtout qu'ils nous ont pris ultra par surprise quoi. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre d'ailleurs. Sans doute parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un devant moi. Résultat, ils ont tiré sur le mec devant moi et puis moi j'ai eu le temps de le buter et de courir en arrière. Je suis soigné le shérif. C'est bon, arrêtez. Fin de votre picouze. Ouais, tout bib, il va me falloir un truc, mais ce qui est bizarre c'est que j'ai pas l'air blessé. Bon. Ah, c'est la douleur. Peut-être le choc. Ouais, donne-moi une picouze. Histoire de prendre mes esprits. Ok, on est 1, 2, 3, 5. Donc, il n'y a plus de couleur, plus rien du tout. On est tous rouges si vous voulez. Tu veux poursuivre? Franchement, à 5. Bah non, je sais pas, c'est chaud quoi. Je pense qu'on va sûrement appeler le QG et qu'on va rentrer au poste. Hein. Ouais, ça me semble plus sage. Hein. Ça semble plus sage, effectivement. Est-ce que vous êtes blessé? Est-ce que tout le monde va bien? Je vais bien, moi. Ouais, ça va. Parce que vous voulez préparer les lettres pour les familles de nos défunts collègues. Ah bah oui là. Ouais. Ah Veldrid, moi je fais pas Veldrid, hein. C'était l'amant de ma femme. D'accord. Bon. vous êtes d'accord avec moi qu'on a quand même abandonné personne sur le terrain. Allez, et tous morts. Hein. Avoue que c'est toi qui lui as tiré une balle dans le dos. Ah c'était horrible d'ailleurs. Bon mais voilà quoi. Moi, du coup, on est 5. On va dire failed. Bah oui. Donc, on reprend les véhicules, on est à Tommy Lee Jones, on retourne au poste de police. Moi. On retourne au poste de police et on verra comment le brigadier chef s'occupe de nous. On verra ce qu'il nous réserve. Un problème de Serroust, putain. Ouais, on rentre. On a perdu l'île là. Vas-y, c'est parfait, prends le volant. On va avec le chef. Je marche à l'île. Oh putain, quand ils ont passé l'angle là, le binôme rouge, j'ai entendu bala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 . C'est fini. Moi j'ai vu Seth revenir en pleurant. Et Seth qui revient de nouveau en pleurant en disant que tout le monde est mort. Oh, c'était juste épique quoi. Seth il a vu tout le monde mourir aujourd'hui en fait. Non mais les deux, la première équipe, on les entend rentrer, ça tire dans tous les sens. D'un coup t'as Seth qui arrive. Et après le binôme rouge il passe l'angle et qui. Ils se font mitrailler. T'as, comment on a pu se faire dépouiller comme ça? Ne passez pas devant Sage. Je reviens pas qu'on se soit fait dépouiller. Ouais, là. Ouais, mais ils ont fait trop la saupe bourrin, quoi, je sais pas. Putain, c'était. En fait, ça avait pas l'air pompes, compliqué, ça quoi. Ça nous a bien défoncé. Hein? Ils avaient des pompes et des trucs pour le close combat, donc comme c'était du close combat, ils ont dû bien faire mal, quoi, au final. Ouais, si tout le monde tenait ses secteurs, au final, c'était bon, quoi. Bah ouais, regarde là, nous on s'en est bien sortis. Hein. Mmh. Ah, et c'est pas limité à 90 là? C'est nous les flics, on s'en fout. Grave. Il y a peut-être Denis et Roger qui ont mis le radar là. On va pas le faire si on se fait choper. Oh la vache. Putain. Oh. Voilà. Oh la vache. Je vais pas fauché un qui ouvrait sa porte. On continue, on continue, avec ce ralentissement, vous voyez plus dans les rétros.
ils sont partis, ils sont partis. Vous manquez l'essence ? Ils sont partis. Ils sont partis ? Ouais, ouais, ils sont devant. On va dire que c'était la neige qui a fait glisser, quoi. Bah ouais, putain, ça glisse, hein. Ouais, pas comme ça, mais... On traite la neige, de toute façon. Grave. Il y avait une congère sur le truc. Ah, on dirait un pilote de rallye devant. La trace, c'est plus ces SUV. Là. Droite 5, long. Ok, je dépasse. Oh putain. Désolé, erreur de GPS. Qui s'excuse. Putain. On a failli mourir deux fois. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance. Ça fait plaisir de jouer sur Sorsky. Sur ski. C'est vrai que l'ambiance hiver ça faisait longtemps. Ah désolé, petite erreur de GPS, et puis vous rouliez très près de nous, j'ai l'impression. Ah, vous avez abîmé votre vitre arrière, j'ai l'impression. Ah non. Ce sera retenu sur la paye.